mais il prend un petit peu plus de temps, même quoi est plus pratique comme ça. C'est m'a parlé, même pas d'un mais m'a parlé pour nous garder faire la tour, pour nous garder tout. Vous comprenez, nous avons toutes ces formations là, et comme je dit déjà, Timothée veut dire qui adore Dieu. Donc nous nous finissons quitter premier, deuxième Thessaloniciens, nous avons un Timothée. Chaque nom monde a une signification. Qui adore Dieu, en other words, who's worship God, who worships God. Il me dit, premier Timothée fait partie des trois lettres pastorales. Ouais, qui l'est pastoral ça, comme nous, ouais, c'est 1 Timothée, 2 Timothée et titre. Alors, ça gagne, moi, fait en correction en PAMNA, mais pas nous, c'est depuis semaine passée. Donc, après 1, 2. Timothée, ça dit, c'est 2 lettres à Timothée et 1 lettre à titre. Et, par contre, si Timothée ça pour nous, maintenant, on va ajouter les Timothée lui-même, il a une mission par lui à Éphèse. Avec moi. OK, n'a pas ça non. Et m'te fait ça déjà, même pas de banou. Pas de banou feuille pour lui. Donc nous gain feuille et n'a besoin nous garder dans verset 3, 1 Timothée chapitre 1 verset 3. OK. Donc, 1 Timothée, chapitre 1, verset 3, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. Donc, c'est Paul qui t'a quitté Timothée à Éphèse. Jeune garçon, et puis Paul lui-même, parce que l'elle t'a écrit 1 et 2 Timothée, les amis, c'est fin grand monde, il pourra le mourir. Maintenant, il vient de deux jeunes éléments. Que l'y engagé, que l'y entraîné, l'une c'était Timothée, l'autre là c'était Tite. Timothée lui-même, lui, t'a quitté Timothée à Éphèse, comme pasteur, pour le diriger l'assemblée, et il t'a quitté Tite lui-même, l'un de nos Tite, il y a un côté qui est les Crète. Donc, il quitté Timothée à Éphèse, et il quitté Tite, Crète. Bien entendu, il ne peut pas arriver dans Tite, mais Mdou, parce que c'est trois lettres pastorales. Ça. Mais puisqu'il a parlé de lettres pastorales, c'est un ancien pasteur qui a parlé à un nouveau pasteur. Donc, on apprend que ça, la base, c'est une série de conseils, une série d'instructions. C'est ça, ça veut dire. Donc, il y a quelques baganes à obliger ajouter dans le papier que moi, ben, nous, il faut nous créer un autre. Donc, m'te expliqué nous, dans verset 1, côté que Paul a parlé à Timothée, l'elle te fait commencer pour dire que moi-même, moi c'est un apôtre. Donc, Paul avec Timothée longtemps, mais l'a écrit formellement, et puis il dit, il y a 1 Timothée chapitre 1, parce que c'est très important. Paul, apôtre de Jésus-Christ, et tout le monde qui est avec moi là, nous connaît que comment Paul est. Au moment qui te poser nos questions, nous étudions avec. Pour qui ça Paul obligé à identifier comme ça? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu. Pour qui ça? Parce que je ne parle pas de ça, mais nous supposait-il. Pour qui ça? Oui, c'est ça. Oui. Donc, les pattes là, les Jésus, était sur la tête d'ailleurs, les Jésus étaient là même. Paul, c'est tout, il tape tout le monde. T'as pas laissé tout le monde. Oui. Mais l'important, théologiquement parlant, on doit dire que, monsieur, les judaïsants, les monsieur, ni les juifs chrétiens, ni les gens qui pas chrétiens, pas fait monsieur crédit. C'est-à-dire qu'il y a besoin de dire qu'on sorti. Vous n'étiez pas parmi les 12. Vous comprenez? Donc, qui soit venu parler nous là, c'est plus juif yo qui a un problème avec Timothée. Vous comprenez? Et pas Timothée, non, Paul. Vous comprenez? What are you talking about, in other words? Who are you? Donc,
who are you? Why are you talking about Christ? So in other words, égal chaque temps, in every episode, Paul obligé à là pour l'expliquer, pour l'abdimonio, qui moun moyen. Donc Paul, apôtre de Jésus-Christ, lui-même qu'on a parlé à Timothée, d'ailleurs il connaît Timothée très bien, par ordre de Jésus-Christ notre Sauveur, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Donc monsieur, vous voulez faire, dit que moi-même, moi là, c'est sous l'ordre bon Dieu. C'est une commission royale. Je suis commissionné par Dieu. Ce n'est pas Pierre qui mettait là, ce n'est pas Paul qui mettait là, et moun, mais c'est mon Dieu même. Parce que le pat là, il n'est pas rempli condition pour le venir apôtre. Vous comprenez? Il n'est pas rempli condition pour venir apôtre. Et ça fait toute lettre. Il fait que ça fait les lettres pauliniennes avec quelques étudiants pour Davis College. Il m'expliquait ça. Ou après, presque dans toute lettre que Paul a écrit, il a toujours introduit tête li pour le dire, mounio qui moun nié, parce que monsieur était subi un problème de crédit. Vous comprenez? Mais le baiser fait mounio connaît qui moun moyen. Donc, par ordre de Dieu, notre Sauveur, c'est apôtre moyen. Mon capitaine par apôtre a fait pas eux, mais c'est pas moun qui mettait là, c'est mon Dieu. Et ça veut dire. Maintenant, à Timothée. Maintenant, le problème qui est, c'est que Paul a besoin de lever moral Timothée, qui était un jeune garçon. Parce que, j'ai quelques notes qui sont pas nous, c'est que, en pile commentateur, il faut sentir que la congrégation a un jeune pasteur à problème. Oui, exactement. Donc, où est-ce qui? Exactement, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Paul a fait Timothée connaître que lui son homme qui choisit. Ouais, ça que m'a écrit là, c'est pas c'est son bagage. C'est dans l'époque ça, il m'a parlé ça même. Ça était déjà écrit pour me parler sur ça. Donc, il vient pour me bailler, jeune Timothée, encouragement, pour me bon moral. Pour le dire, monsieur, où son homme que bon Dieu choisit. Donc, maintenant, gardez mon espérance là. À Timothée, mon enfant, légitime en la foi. D'où, c'est-à-dire que monsieur tape l'île-lettre là, était pour lui, mais l'île devant congrégation. Puis il dit, mais ça, Toro Paul dit, de Timothée, monsieur, c'est petit légitime moins dans la foi. Ouais? Maintenant, l'aile dit dans la foi, c'est pour connaître que monsieur pas petit biologique, lui, c'est dans la foi. Donc, par conséquent, si nous te connaissons, respectons, il faut nous respecter le tout. C'est ça, ça, les dit là. Si tout le monde lit commentaire, nous fait des recherches, n'a pas que c'est ça, pas ça, et ça dit. Son ancien pasteur qui pral mourir, qui a parlé un jeune pasteur. Moi, qui a parlé avant là, c'est dans la phase ça que nous y est là. Right? Et puis, il dit. Et maintenant, le premier verset, il y a un mot ça. L'article te dit, ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Maintenant, espérance là, c'est comme si c'est. L'orgueil espoir. C'est l'orgueil espoir pour une bonne nouvelle. Right? Something good is going to happen. En d'autres termes, d'après tout ça nous dit, nous réaliser que Timothée souffre de problèmes, congrégation n'a pas de problème, et puis comme si monsieur découragé, yes, bien ça lui découragé, et puis qu'on y a Paul a dit, apôtre de Jésus-Christ, apôtre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. En d'autres termes, il a dit Paul a dit Timothée, écoutez, don't worry, soon. Jesus will appear because Jesus is our hope. Jesus is your hope. En d'autres termes, souffrance pour le fini parce que longtemps tu as un message, c'est le message du retour de Jésus-Christ 2000 ans de cela. Christ is coming soon. Son message a passé depuis longtemps. Mais malheureusement,
et pas qu'à dire malheureusement, tout le monde ça que tu as prêché à, est en mourir. Et Christ, pour retourner. Et pendant ce temps, mon a fait, mon a mouru. Et ça me t'a parlé dimanche là, c'est que quand l'autre réunion qu'a fait côté mon mouru et mon vivant après rencontrer. Et son bagage important que lié, parce que depuis 2000 ans, on a fait de retour à parler pour qu'on vienne, mais le cas vienne n'importe l'un. Parce que quand c'est de monde qui pas mouru, dans la Bible, c'est deux mondes qui pas mouru, c'était Enoch avec Élie. Mais cependant, si Christ tourne là, qu'on y a bien aimé, nous pas mouru, nous pas guetal dans la terre, nous pas acheter ça qu'il pour nous. Vous comprenez? Mais l'important, comme on t'a dit, est-ce qu'on tendait son? Parce que si vous pas tendez-le, vous abritez. All right. En nous continuer. Now, côté mien là, non, étude 2, non, côté étude 1. Hein. Étude 1, moi, hein, ben, nous qui l'a, et Paul écrit l'être là, c'est environ 67 AD. AD, hein, Kounia, n'a tout connu, ça veut dire en l'année du Seigneur. OK? Maintenant, en bas, côté marqué AD, hein, n'a point A point D, Kounia, nous ne parlons pas les latins. Ça veut dire anno, do, oh. Anno Domini. C'est ça, ça veut dire. Donc, nous avons lu la Bible. Et puis, nous avons ou bien appelé un passage où nous avons marqué Adéa. Donc, il a toujours quitté sous forme latine. Non? Anno Domini. Dans Anno en juin, year. Ça veut dire the year of the Lord. Right? Et donc, year of the Lord, en l'année du Seigneur, ou bien ère chrétienne. Il y a quelqu'un qui a dit Anno Domini, ou bien, on doit dire en l'an 60 de l'ère chrétienne. Right? Maintenant, en anglais, il veut dire, quand il marque INGA, in the year of the Lord. So, c'est l'école nous vini, où nous tous connaissons nous A.D.A, c'est-à-dire Anno Domini. Anno pour année, Domini pour Seigneur. C'est comme ça, mot dominant dit en latin. Donc, maintenant, et moi dis que 2 Timothée, c'était la dernière lettre qu'elle écrit. Après ça, il a coupé comme monsieur. Donc, c'est une lettre d'encouragement qui était retracée, ministère Paul, et du commencement à la fin. Maintenant, biographie de Timothée. Vite. Biographie, dans la biographie, vous venez gagner. Latin encore bios ou bien bio qui veut dire la vie, c'est-à-dire écrit ou bien exposé sous la vie au monde. Maintenant, tu me regardes pour moi. Oui, moi dis comme ça. Ok. Premièrement, Paul est né de parents mixtes. Nous tous d'accord, nous tous supposés. Timothée, de parents mixtes. Oui, parents mixtes. Je me dis pas en mix là, et est-ce que je me dis pour quelle raison? Oui, c'est exactement. Donc c'était grec, papa c'était grec, maman c'était juive. Je me dis ça déjà. Donc, il y a un passage dans Acte 16, verset 1, c'est là dans le bon côté que monsieur et Timothée c'était un monde juif, il y a eu les en Haïti, bâtard. Donc c'était pas en mix juif. Et grec. Maintenant, d'après le principe que tu as dit, d'après la loi, les gens sont mixtes. Quelle nationalité tu peux dire la beauté? Les potes nationalité maman. Donc, ce n'est pas juif là, non? Les potes nationalité maman. Mais si son juif, qu'elle fait petit avec les haïtienne, juif là pas pour reconnaître il a dit que c'est haïtien petit petit là parce que maman c'est juif, papa c'est juif oui, mais maman c'est haïtienne, c'est nationalité maman si mon nan bay. Maintenant l'autre bagaille c'est que Paul s'est choisi pour le ministère.
maintenant pour le ministère. L'important pour qu'on baille ça. 1 Timothée 1:18, on garde ça vite. Pour nous, ouais, parti ça. Et m'a élaboré pour nous. Prends-le-nous. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est là Paul pral dit et Timothée que où son homme que bon Dieu choisit. C'est la prophétie. Son bagage prophétique que lié. Donc ou pas là comme ça. OK? Fait précédemment ton sujet, c'est que d'après elle tu combattes le bon combat. Donc Paul et Timothée un petit peu découragé, Paul a bas monsieur yon booster. Pour dire mon cher, et par contre là non, où son monde que bon Dieu choisit. Et puis regardez 1 Timothée 4 verset 14 n'a point encore. 1 Timothée 4 verset 14. OK? Ça lui dit, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie. Maintenant, je ne vais pas mettre tout verset, parce que si je mette tout verset, le son est trop long. Donc, mettez référence pour nous. Les nous arriver pour nous capables de voir. Donc, pour nous capables de parler devant le monde, pour nous connaître que monsieur, c'est Timothée. Petit, c'était une fête de parents mix et puis nous gain référence là. All right? Nous continuer. Elle dit malgré son appel, bon, et n'a pas les deux et Timothée était malade. Faut nous connaître ça tout. Nous était malade. Nous gain référence pour lui. Qui côté ça? He was sick, 1 Timothée 1 verset 5. Right? Timothée était malade. Donc, monsieur pas de faute le bien. 1 Timothée 1, verset 5, il dit, 1 Timothée 1, pardon? Non, qu'elle laisse pas lire ça, non? Qu'elle laisse 2 Timothée. Faut nous changer pour moi. 2 Timothée 1, qui a mis un mauvais et bah oui là waouh et puis me parler sous ça l'autre jour tu me gardes pour moi que de m'a besoin pour nous tout de suite. OK, et n'a fait correction pour moi qui était me chercher les pour nous. Pardon. 2 Timothée, 1 Timothée 5, verset 23. OK, on nous garde. 1 Timothée 5, verset 23. Corrigez le feuille là pour moi. S'il vous plaît. 1 Timothée 5, verset 23. On dit qu'il me corrige là tout. 1 Timothée 5. On marque. On dit qu'il mal. 5, verset 23. OK? Et qui dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton stomac. Donc, il va dire stomac, non bien aimé stomac, et de tes fréquentes indispositions. Son homme qui tout le temps prend une crise cardiaque, tombé, et monsieur a un problème stomac, et il fait sentir que raison fait dire, il dit, monsieur, pour ne pas péter prendre l'eau, il n'y a pas. Bon, expression française que les décanter, c'est-à-dire de l'eau pas purifiée. Donc de l'eau capable de rendre cause les pires mal. Maintenant, on a parlé de découragement de Timothée. 1 Timothée 4, 12. On regarde ça vite. 1 Timothée 4, 12. Donc, l'elle dit que personne ne méprise ta jeunesse. Now, right? Si nous rappelons, dis-nous que c'est Paul qui écrit Timothée la balle booster. Ouais. Ouais. Don't let anybody belittle you. So, que personne, lis-le ensemble avec nous, bien-aimés, que personne ne méprise ta jeunesse,
mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. En d'autres termes, mon cher, agis comme un pasteur, make sure qu'on a une conduite exemplaire, mais en même temps, pas quitter le monde, joue à coup. Pour quelle raison tu as besoin de dire que personne ne méprise ta jeunesse? Oui? C'est parce que vous connaissez que monsieur jeune, il connaît que le monde qui comprend pour y avoir lui, yes, anciens, les anciens de l'église. Et puis, il écrit ça. De parce que Timothée était découragé, vous comprenez? Paul a parlé avec lui. Ce n'est pas moi qui a parlé, c'est la Bible qui a parlé. Avec moi? Non. Donc, et ça fait marquer, malgré son appel, comme nous voyons déjà, son homme que, c'est pas comme ça, son appelé pour le ministère, mais il décourageait humain. Découragé, l'église a changé de tête, un bon tracas. Ou découragé, ou pas fait. Donc, et comme on dit, vous avez l'impression que certains membres de l'église n'accordaient pas à leur pasteur. Ça, c'est pas même moi-même qui écris, c'est un élément. Ouais? Mettez sacré les références là. Côté marqué 1, c'est référence là. Et pas même moi qui dis ça. Et vous avez l'impression que certains membres de l'église n'accordaient pas à leur pasteur le respect qui lui est dû en tant que serviteur de Dieu. 1 Timothée 4, 12, c'est même pas ça. Et puis référence ça, c'est yon théologien qui est Warren Wisby qui écrit un commentaire et li ba mba nou tout côté que il dit ça et pas moi même qui a parlé gueule la Bible. OK, now Paul by Timothée trois grandes responsabilités comme nous ouais dans passage là dans leçon 1 et ça relé en français feuille de route de Timothée. OK, moi titre là à Éphèse pour travail. Mido, bon conseil, ou son nom qui vous appelez, pas quitter le monde, joie à coup, mais faire respect ou rester comme pasteur modèle. Il est très clair. Maintenant, il dit, premièrement, on va enseigner qui ça? Une saine doctrine. So, c'est dans verset, c'est 1 Timothée 1 à 11. So, l'arrivée, on va faire ça. Une saine doctrine. Hein? Et ensuite, annoncer l'évangile. 1 Timothée 1, 12 à 17, et c'est ça nous allons parler aujourd'hui. Et ensuite, à l'homme d'Ado, il dit défendez la foi, et puis nous disons en définitive défendre la foi. 1 Timothée 1, verset 18 à 20, et c'est là que nous allons parler aujourd'hui. Maintenant, et n'a pas couru, et m'a bien dit que. OK. Et gardez dans page 3 pour nous, ouais. Page 3, dès que tu as parlé sur ça, je t'ai engagé à rester à Éphèse. OK? Donc, Old Giving, je t'ai engagé à rester à Éphèse. C'est-à-dire que son l'autre que M. Bali. Maintenant, qui l'autre ça? L'autre ça, c'était de ne pas enseigner d'autres doctrines que celles qu'avait enseigné Paul. Parce que son bagage qui est important, lorsque, parce que Paul était là déjà, son bagage qui est imaginé, moi là, m'a pensé. Et puis tout, moi détourner tout ça, parce que tu es là, parce que tu es là, tout ça, tu es qu'on fait, détourner tout, marine place maintenant. Je me supposais rester dans la Bible. Vous comprenez? Donc, on pas supposer dans la fausse doctrine, rester dans la sainte doctrine, donc, pour gagner une continuité. C'est ça, Paul a essayé de dire là. Maintenant, 1 Timothée 1, verset 4, on nous garde vite pour nous prendre. Leçon 2, parce que je me fais bailler ça déjà. Je m'a couru sous lit parce que je me demande ce que je ne vais pas adorer. Parce que je déjà. Ok. Je m'a quitté ça en main parce que je vais rentrer. Je vais rentrer dans deuxième. Dans deux. Non, leçon 2. Ok. En nous garder. Regardez les commandements.
c'est nous qui t'es en main nous, c'est pour nous car ouais même t'as aimé aller dans verset dans deux. Mais gardez pour moi page 5 là, c'est début deuxième étude là. Comme nous qui fait une main nous, nous devons courir parce que nous car pas jeté ou non. Oui. Non. Maintenant, déjà, bah, nous, les commandements. Exode 20, 1 à 17. Non. OK. Ça, comme je voulais arriver là, avec côté, je voulais arriver avec vous là, c'est dans 1 Timothée, et chapitre 1, verset 9. Quittez-moi pour nous. Verset 6. Il veut, alors là, parler des faux docteurs. Vous connaissez que. M'a parlé de en tant que pasteur ou supposé enseigner peuple là. Et d'ailleurs, job yon pasteur, c'est ça ou doit faire. C'est teach the congregation. Ou supposé bien équipé pour capable conduire et assembler à non ligne. Et ça fait ou supposé préparer pour capable quitter assembler à doctrinalement non ligne. C'est job pasteur. Et pas l'autre monde. Et ça, nous devons amender tout le monde. Tête sur des épaules, c'est job yon pasteur pour faire étude biblique pour capable former yon congrégation. C'est ça lié, c'est ça. OK. Now. Alors, si nous dit nous ça, c'est job pasteur. Now, qui côté? Oui. Verset 6. Et le but du commandement, non, côté mieux là. Si je parle à docteur yo, quelques-uns, verset 6, 1 Timothée chapitre 1, verset 6, quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. C'est bagaille nonsense. On a parlé à petit vieux causé. Donc, on a fait la loi. Verset 7, ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils avaient. Ça, c'est Timothée petit qui a parlé. Nous nions pas que la loi est bonne pour vous, est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants. Donc c'est parti ça. Mais j'ai fait l'ISA avec nous. Et bien que nous voyons que l'INA première leçon, hein, mais moi, la CAI, moi était divisé, moi mettais dans la deuxième leçon. Donc, nous sommes dans la deuxième leçon là. Non, nous allons parler de l'ISA que Paul va présenter. Premièrement, la loi. Qui ça la loi fait? La loi seulement présente au problème. Non. La loi dit que pas tuer moun. La loi seulement présente. Dit tout, pas prendre lumière rouge. C'est ça, la loi. Mais jour prend lumière rouge, police qui est béou, il y a un rachois ticket. Maintenant, il y a un théologien qui dit que la différence entre la loi et la grâce et l'évangile. La loi, ça le fait, lui présenter problème, non? C'est comme si on a un docteur et puis il fait diagnostic problème. Non? Exactement, c'est ça même. Et c'est ça même lié. Il n'y a pas bon remède. Il dit quand vous faites que, vous diabète, vous faites ceci, et puis vous la caillou. Il vous la caillou pour aller mourir. C'est ça la loi fait. C'est ça la loi t'aille longtemps. Ou péché ou mourir. Alright? C'est-à-dire que l'évangile dit pour ça que, sous péché, accepter Christ, péché à pardonner ou pas mourir. C'est ça, la loi avec l'évangile, la grâce. Maintenant, nous parlons dans l'IS, bagaille. Maintenant, avant que mal dans l'ISIO, et m'a sauté quelques dans l'ISIO. Et m'a sauté quelques dans l'ISIO. Et première liste que m'a pris dans l'ISIO, m'a pris Mossa.
prend mot ça qui relaie par exemple on nous prend les impies lis avec moi les impies verset 9 les impies et les pécheurs les irréligieux et les profanes ne fait que se parler de profane profane c'est monde l'on profane un bagage c'est l'on prend bagage religieux un bagage sacré ou utiliser l'on l'autre en dimension quand qu'on on doit prendre l'église comme ça et puis au monde vini nous vient faire balle là-dedans ou profaner yes ou profaner parce qu'il pas fait pour ça vous comprenez ou vient prendre ça par exemple vient prendre monde dans cette table là ça c'est profanation profaner maintenant ça que me fait nous bien comprendre c'est parricide. Parricide. Ça, ça veut dire. Et si nous regardons, oui, nous avons fait nous nommer nous, ça veut dire c'est meurtre de passer cette meurtrier. Donc, au monde qui a tué papa ou maman, ou son parricide. Dans parricide là, vous venez un père. Et vingé un autre mot latin, chideoe, qui veut dire to kill. Des parricides. Ce grand petit monde qui fou. Il tue maman et papa. Yo. Donc la Bible compte ça. Maintenant, mettez en bas et recommandation. C'est honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin de jouir d'une longue vie et de vivre heureux dans le monde. Maintenant, gagnons l'autre mot pour bagaille ça. Vous venez gagner parricide, vous venez gagner le meurtrier. Quelle est la différence là? Parricide là, c'est moun qui a tué maman et papa. Alors que meurtrier, c'est moun qui a tué moun net en général. Est-ce que vous avez la différence là? Donc, ou moun qui tue, c'est-à-dire meurtrier, c'est moun qui a tué moun. En même temps, il doit tuer son maman, son papa, et puis tuer tout le monde. Mais la Bible fait exception. Parricide. C'est le monde qui a tué maman. Now, et puis la Bible parle, tu ne commettras pas de meurtre. Impudique. Impudique. Impudique, c'est une autre forme de fornication. Fornicateurs. C'est moun qui engagé dans immoralité sexuelle. Est-ce que nous avec moi? Les nous river la caille, est-ce que nous pouvons corriger nous sur ça? OK, good. Maintenant, et encore c'est ça fait marquer en tête les commandements. Et puis m'ba nous Exode 20 verset 1 à 17. C'est dit que m'ba nous travail pour nous faire. Yes. Les nous river nous doit réviser bagaille et nous doit poser une question. Comprenez? Donc c'est le son hein, que m'ta fait oui frère. Papa reçu, nous me connaît que oui, il y a toujours un frère, oui, pasteur Edouard, toujours un petit pasteur, c'est de capable de faire un peu de temps. Bon, il y a toujours fait vraiment, même toujours qu'un peu pour compte moi, mais from now on a bien, ok? Et puis, Sœur Gabriel, c'est, ok. Now, impudique, fornicateuse, moun qui engagé dans l'immoralité sexuelle, exactement, il parle. Faut me faire ça depuis avant, vraiment, parce que comment nous peut-être capable songer tout bagaille ça. Ça nous vient de l'école, faut pas nos papiers. Anyway, n'a pas dégagé nous. Maintenant, verset 7 là, comme moi tout ça, c'est 7e commandement et ça fait marquer en haut les commandements. Tu ne commettras pas qui ça d'adultère. Maintenant, et ça qui pas bon dans bagaille, c'est que l'autre des bonnes informations, hein,
gars où tout qu'on est barré là. Un gars là, logue toute information de même. Vous pas besoin nous encore. Oui. Par exemple, si nous pas de papier, t'as pas dit nous. Ça y est, les voleurs d'hommes. Voleurs d'hommes. Maintenant, t'as dit nous. Ça y est, les voleurs d'hommes. Nous t'as posé question. Qu'on y a là, tout bas nous toute information. Qu'on y a nous faut passer. Ok, voleur d'homme ou la Bible, c'est ça que le kidnappers. C'est ça que les voleurs d'homme. Donc maintenant, même si nous gagnons, maintenant, m'a élaboré pour nous. Les impudiques et voleurs d'hommes. Voleurs d'hommes, ça nous gagne en Haïti longtemps, comme ça. Vous voyez? Donc la Bible parle, condamner ça, et puis la Bible parle de lui. C'est-à-dire qu'on peut imaginer où arriver en Haïti ou bien arriver au monde par des Kembo. Il m'a où et voler le voler. Voleur d'homme. C'est ça la Bible. Est. Voleur d'homme. Et puis il dit, tout le temps, pas bail tant, ou il va blaguer. Donc, et maintenant, ce qui passe, c'est que il y a une série de termes anglais plus faciles. Parce que c'est anglais qui dit kidnappers. M'obliger non seulement m'a fait en français, mais en même temps tout, m'a banou correspondant ça en anglais. C'est kidnappers. So, maintenant, verset 8, c'est 8e commandement. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne dois pas de voler en rien, inclus voler moun. Malheureusement, moun a volé moun. Maintenant, quand il y a Mosa, parjure, nous raconter lié, les menteurs. Les parjures. Comme moi dis nous, si je ne bats nos papiers, moi, je vais lui retourner à poser nos questions pour nous, mais déjà qu'on est parjure. Maintenant, parjure. Les gars de moi, moi, c'est associé de mots, moi, je ne connais pas vraiment. Maintenant, moi-même, si je dis nous, li, nous ne pas songer. Parjure, c'est ça qu'il y a en anglais, perjurer. Jeune monde, par exemple, je vais dire, perjurer. Perjurer. C'est ça que les parjures. Par exemple, nous, haïtiens, pas. C'est pas un mot utilisé facile, de parjure. Mais ça lié, c'est perjurer. Monde qui, avocat, a connu ça. Perjurer, it's a crime of willfully and knowingly making. Making a false statement about something under oath. Ma montre ne sacré les parjure là ou bien perjure. Comme nous nous connaissons en côte. Moi mal en côte déjà. Mal en côte plusieurs fois pour dire ça. J'arrive ça au doux faire. Would you lorsque ou by menti on the oath. Yes. Et c'est le coup n'a pas connu sa parjure là. Et ça fait, dans le pays, ça me dit avis, faites attention aux documents sur lesquels vous apposez votre signature. Par exemple, il doit paraître yo levé, mais une fois son document ou pas où. Pour s'y aimer dans un document qui dit que I, intel, acknowledge that what I'm saying is the truth. Et pour s'y aimer. Papier, ça a rien de voir dans prison pour la vie. Si vous venez réaliser, vous avez menti. Donc ça a été perjuré. C'est ça que. Pardon? Oui, je connais l'être vraiment. Je comprends. Donc, il faut prendre précaution. Les nappes gardées avant aussi en papier. C'est ça que les perjurés. Perjurés, c'est lorsque ou il faut lever mais où, c'est dit under oath, sous serment, il dit est-ce qu'on peut dire la vérité? Et pour dire oui. Et puis, pendant à parler, pour à bail menti. Ici aux États-Unis, frère, moi, c'est pareil, il y a tout yaou. Bill Clinton, c'est ça que fait l'été. Impeach. Yes.
parce qu'il a demandé lui, parce que c'est pas crime, crime qu'il fait, c'est pas affaire gouvernement. Il a demandé son affaire de en relation avec l'autre fille, dit non. C'est pour ça, oui. Yo impeach lui. Il a accusé monsieur Tapal destitué. Le fait que il levait mais lui, il dit quoi, dit la vérité et puis a posé la question et puis il va menti. Américain pareil mais pareil comme ça. Son fond rété sous lui. Il y aurait les ça en français dans la Bible là qui aurait les lit parjure. OK. Now. Un nom parjure, c'est une personne qui ne respecte pas un serment. Et vers et dans la Bible là, gagne une provision pour ça, gagne un pinga pour ça, c'est le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. C'est depuis semaine passée, oui, ça a écrit. C'est pas qu'on y a. Donc, c'est-à-dire que c'est un commandement lié ou pas supposé parler mal de frère ou bien surtout dit ça, pas ça, de frère. C'est pas bon. Maintenant, et qu'on y a, on nous garde verset 12 là, dans page 6 là, ou après que page 6 là, lui fait partie aussi de deuxième étude là. Parce que c'est moi-même qui prends lui, qui sépare lui, mettez le dans deuxième étude là. Dans page 6, côté de Gaïa. Kounia, dans page 6 là, n'a parlé de 1 Timothée chapitre 1, verset 12 et 13. Gon liste de l'autre nom qui l'a bagain temps m'a couru avec nous là 10 minutes nous besoin plus temps. Now, verset 12 1 Timothée chapitre 1 verset 12 et 13. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Now, en nous garder verset 12 là, non, en page 6 là. Et puis, expression m'a jugé fidèle. M'a jugé fidèle là, son expression qui veut dire évaluation. C'est comme si que ou gayon yon bague pour capable connaître s'il bon ou mettez dans qui ça logon bague ou mettez dans du feu ou quoi qu'on mettez dans Clorox ou bien dans alcool mais gon bagay oui nous fait pour nous capable tester yon bijou s'il bon nous mettez dans de l'eau bien talde. Come on. Nous qui ça? Vous mettez dans acide. OK, exactement. Mais c'est comme ça, c'est dans forme ça que Paul a utilisé m'a jugé fidèle. En d'autres termes, son homme qui saute passé non pas soi. Après il saute passé non pas soi, il juge lui et ça fait que il dit et dans verset 12 là, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur de ce qu'il m'a jugé fidèle. C'est-à-dire qu'après que Paul finit évaluer Paul, donc Paul sentit que c'est bon Dieu qui voit que lui prêt pour être capable de faire travail là, en m'établissant dans le ministère. C'est-à-dire que Paul, il finit prier Paul, il finit tester lui, qu'on y a monsieur dit merci de ce que, après test, vous trouvez que moins digne pour être capable de mettre comme ministre. C'est ça que ça veut dire. All right? Verset 2, le ministère, c'est la position qu'il occupait dans le gouvernement de Christ, et puis le bureau du ministre de l'évangile, c'est-à-dire que ministère là, c'est travail à faire, maintenant travail à faire fait de où, yon ministre, avec moi, travail à faire, chaque monde là, mon ministère n'a même. Maintenant, à cause qu'on bon ministère dans mais ça fait de vous qui ça? Yon ministre. OK?
All right. Now, Kounia, Paul a parlé de caractère li. Et on nous garde aller dans deuxième, aller dans mercredi 5 juin. Aller dans mercredi 5 juin. L'autre page là. Madame, en plus les formations. Hein? OK. Now, l'identification de Paul. Qui était-il avant sa conversion? Oui. Et description de son caractère. C'est caractère Paul. Caractère au monde, c'est son tempérament. C'est sa part. C'est sa vie. Sa façon de fonctionner, ses caractères. Kounia Misha Bay caractère. Oui. C'est ça que les caractères. Verset 13, ça dit, moi, nous pas plus, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Now, regardez dans page 2, micro bagay là. Now, gen yon bagay ki di la, se ke bon loi pou sa. Parce que Paul ou konnen c'était juif, li senti ke pou sa l fè, li merite la mort. Parce que bon loi pou sa. Bon loi pou sa. N'ap gade nan Lévitique, bon loi oui, pou sa. Ça les m'a banoulé. Au moment, on se banoule trop d'informations. Au moment, attends-moi. OK. Now, Lévitique 5, chapitre 5, verset 15 à 19. Parce que il dit que Baba s'est fait parce qu'il est dans l'ignorance. Now, et Lévitique chapitre 5, verset 15 à 19, et Nombre chapitre 15, verset 22 à 31, Libral explique nous. Et puis, Makela lisez Lévitique 5, verset 15 à 19. Maintenant, un peu, je peux m'expliquer nous partie ça. C'est que, quittez m'expliquer nous. Nous pas bien temps pour nous lire. Les nouvelles là, quand nous avons lire loi, bon loi pour ça. Nan, verset 13, l'on moun font bagay par ignorance. Ça, mais ça écrit. Si une personne péchait, dans verset 3, dans page 3, non, étude 2. Si une personne péchait sciemment, c'est-à-dire consciemment, li péché, avec une haute main en Israël, elle était coupée du peuple. Elle dit, l'on a péché, ou compte ça, ou fait un crime prémédité. Mon cher, il y a con, il y a jeté, il y a tout. Mais, s'il a péché dans l'ignorance, il a été autorisé à apporter les sacrifices appropriés pour expier ses péchés. N'avec moi, bien aimé? Oh, non, leçon, deuxième leçon. Étude 2. Dans étude 2, nous sommes courus pour nous banner trop d'informations. Semaine prochaine, nous ne pas nous. Parce que nous parlons de la caille pour nous réviser. Oui, parce que nous sommes pour nous banner d'informations. C'est aussi, nous sommes en train de chanter. It's not going to be boring. All right. Now. Deuxième, étude 2. Nous banons deux pages. Nous avons trois pages dans maintenant. Première leçon, nous avons deux pages. Nous finissons avec les affaires sur la caille. Deuxième leçon pour aujourd'hui, je suis couru, mais nous avons 9h. Mais qui me font passer sous le lit. Now, Paul, c'est Paul qui a parlé là. Il dit, moi qui étais auparavant, nous dans 1 Timothée chapitre 1, verset 13.
m'a expliqué aux lois juives là.